Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un plan de tour du printemps. Alors, je vous préviens, ça va pas être le plus beau plan de tour de tous les plans de tour, mais ça va nous faire un point de départ. Là, c'est un peu la misère en sortant de l'hiver. Je me prépare mon café, c'est parti! Je vais profiter d'être ici pour commencer par vous montrer mon potos doré. Voilà, alors il est toujours pas mal égal à lui-même. Il a bien poussé, mais pas énormément depuis la dernière vidéo bouture que j'avais faite. Alors là, il tire un peu la gueule, je pense qu'il a soif. Je vais installer une réserve d'eau, mais elle est complètement vide, donc... Je vais profiter de ce plan de tour pour arroser mes plantes et re-remplir la réserve d'eau. C'est pas le truc le plus pratique du monde quand même, je préfère quand on peut les remplir par le haut. Et voilà, c'est re-rempli, vous voyez là les petites bulles qui sont en train de remonter, c'est signe que l'eau descend dans la plante. Donc moi je vais arroser en plus par-dessus pour pas que la réserve soit complètement vide, parce que quand on voit la taille de la réserve par rapport à la taille du pot, voilà, ça suffirait pas pour un arrosage. Donc j'ai préparé mon arrosoir il y a plusieurs heures, il y a 4 heures, quelque chose comme ça, pour qu'il soit à température ambiante. Je vais profiter d'avoir un peu vidé cet arrosoir pour le re-remplir avec mon engrais spécial plante verte, mais qui est en fait pour les plantes avec variegation. Hop. Bon, moi je mesure pas les bouchons avec un bouchon, hein. Je fais à l'œil. Et après je vais re-remplir avec un peu d'eau. Et voilà, l'arrosoir de nouveau plein. Je vais quand même laisser passer un petit peu de temps avant d'arroser avec, histoire que ça déclore un tout petit peu. Donc je vais pouvoir boire le café que je viens de me faire. Allez, c'est parti. On va d'abord commencer avec les plantes du frigo, enfin plutôt la plante du frigo, parce que sur les deux là il y en a une qui est morte. C'est un pilea il me semble, je sais même plus. Voilà, donc là il me reste cette petite bouture de pothos doré, qui a bien soif d'ailleurs. Voilà, une grosse bulle d'eau avec de l'engrais, j'espère que ça va l'aider à se retaper. Ensuite, on va vider ce premier arrosoir sur les plantes avec variegation. Donc plusieurs choses. Ici, il y a ma bouture qui a suffisamment d'eau. Ouais, moyen. Ma bouture de Monstera variegata avec la feuille Half Moon qui a bruni. Mais elle a fait une nouvelle feuille, donc c'est une toute petite feuille. C'est tout récent ça en plus. Toute petite feuille, très jolie. Toujours pas de fenestration, mais bon voilà, hein, on a compris.
En tout cas, elle est très jolie et elle l'a faite quand je me suis remise à mettre de l'engrais dans l'eau en fait. Alors, je mets pas directement la plante dans de l'eau pleine d'engrais, mais là, quand je remets de l'eau, en fait, j'utilise un arrosoir dans lequel il y a eu un bouchon d'engrais. Je pense pas que ça puisse lui brûler les feuilles plus que ça. Enfin, apparemment, non, hein, les feuilles sont pas brûlées. Celle qui brunit, là, elle avait commencé à brunir bien avant que je la mette en eau, donc bon, je pense pas que ça vienne de là. Mais en fait, ça lui donne de l'énergie, comme si elle était en pot, quoi, de remettre une petite goutte d'eau. Donc voilà, parce qu'en fait, j'en ai vraiment à peine, et c'est dilué, donc c'est pas plus méchant que si la plante était en terre. Ensuite, l'autre Monstera variegata. Il se passe pas grand-chose. En voulant jeter un œil de plus près pour voir s'il y avait quelque chose qui se préparait là au niveau des feuilles. Bon, on voit qu'il va pas tarder à se passer quelque chose quand même. Mais surtout quand j'ai bougé le pot pour voir ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une racine aérienne monstrueuse. Franchement, elle fait peut-être 60 cm de long. J'en ai marre que mes monstères fassent ça. C'est archi moche. Et je comprends pas pourquoi. Enfin voilà, forcément elle a pas l'énergie de faire des feuilles si elle fait des racines pareilles, quel est l'intérêt? J'hésite à la couper, je sais pas. Et un potos doré, petite bouture, pareil, ça suit son cours. Il y a aussi un marble queen dedans en fait, c'est deux plantes différentes. On voit les feuilles du potos doré et les feuilles du marble queen. Hop. Un peu d'eau et un peu d'engrais pour les deux. J'ai un peu réarrangé pour que la liane du potos descende le long de l'étagère. Mais ouais, avec cette maxi racine aérienne, là ça va parce que c'est sur une bibliothèque, je peux laisser le truc descendre derrière, mais en fait ça me laisse pas des masses d'options pour d'endroits où la mettre quoi. Bref, ensuite à l'étage d'en dessous, une bouture de spathiphyllum qui fait un peu la tronche, je viens de remettre de l'eau dedans. Mais il va falloir un peu de temps avant qu'elle reprenne des contours et de l'épaisseur, on va dire. Ensuite, cette petite bouture de philodendron brasil qui est en eau depuis très longtemps, que je trouve très mignonne, qui va faire une nouvelle feuille. Pareil, qui a l'air de plutôt bien se satisfaire des conditions eau plus engrais plante verte. Je vais remettre un peu d'eau avec de l'engrais dedans. Derrière, en fait, ça n'a pas énormément changé depuis le bout de surtout. Je vais juste remettre de l'eau avec de l'engrais pour que ça continue à pousser, éventuellement qu'il se passe quelque chose. Et je pense que je vais tout rempoter au printemps. Comme ça, je pourrais mettre de nouvelles boutures aussi, peut-être, dans cette station à boutures. Le cactus rubis qui suit son cours. Je l'arrose très rarement et en toute petite quantité, mais là je vais en profiter. Cette succulente qui fait complètement la gueule, génial. Pareil, est-ce que je remets aller un petit peu d'eau? Peut-être qu'elle fait la gueule parce que je l'arrose trop d'ailleurs. Mystère. Ensuite, cette bouture de coléus qui fait toujours pas grand chose de neuf non plus hein, depuis le bouture tour, mais qui fait toujours plein de racines. Je vais lui remettre de l'eau aussi. Allez, je mets de l'eau sur le meuble aussi, j'essuierai tout ça après. Pareil, ça je pense que je vais le mettre en terre au printemps. Je continue avec les plantes à variegation tant que j'ai le bon engrais dans mon arrosoir. Donc là, mon potos Marble Queen, pareil, qui a bien poussé depuis la vidéo où je l'ai bouturé. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Les lianes sur lesquelles j'ai pris des boutures. J'en avais pas pris. Alors tout est bien emmêlé. Moi j'aime vraiment beaucoup ce côté de la plantagère. Clairement c'est celui qui est le plus près de la fenêtre. C'est celui où ça pousse le mieux, où c'est le plus beau, etc. Enfin voilà, hein. On dira jamais assez. Les plantes d'intérieur, elles ont besoin de lumière. Et là je pense que c'est ici qu'elles sont le mieux chez moi. Voilà, j'ai réussi à isoler du coup là où j'avais fait des boutures. Donc on voit que j'ai coupé ici et là. Et en fait, directement à cet endroit-là, il y a eu une bifurcation et du coup, vraiment, on dirait que j'ai pas coupé. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les lianes que j'avais coupées parce qu'en fait, ça repart immédiatement du même endroit.
Hop là, voilà. J'essaye de les remettre comme elles étaient parce que ça avait l'air de pas trop mal leur réussir et surtout je trouve ça très joli. Là, il y a une petite feuille qui a bruni, mais bon, c'est pas grave. Et lui, je l'arrose généreusement parce qu'en fait, il y a beaucoup de feuilles, donc sûrement qu'elle a très soif. En tout cas, elle consomme plus d'eau et plus d'engrais. Et en plus, là, du coup, ça pousse grave. Je sais même pas si on peut dire qu'elle s'est mise en dormance. Peut-être qu'on peut pas dire que c'est le réveil du printemps. Mais en tout cas, là, elle est en phase de croissance, donc voilà quoi, faut y aller. Ce qui contraste beaucoup avec la plante d'à côté, là, c'était mon cactus variegata. J'ai trop arrosé, clairement, comme beaucoup de plantes qui ne s'arrosent pas, je les arrose trop. Et elles meurent, donc là, il y a un truc mort depuis des mois, en plein milieu de la cathédrale, il faut que je fasse quelque chose. À côté, cette sansevieria, il ne se passe toujours rien. Est-ce qu'il se passe quelque chose là-dedans? J'ai pas l'impression. Allez, un peu d'engrais. Pareil, ça n'aime pas trop être arrosé, hein. Cette feuille-là qui a bruni, c'est excès d'arrosage. Mais bon, en même temps, faut quand même que je lui apporte des nutriments parce que son substrat est pas très nutritif et j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, donc voilà. Allez hop, ça coule par en dessous. Ce qui nous fait une transition parfaite pour la Maranta qui est juste en dessous, qui est pas variegata, mais bon, qui va profiter quand même de l'engrais spécial variegata. Donc elle, là où je l'ai coupée, il s'est pas passé grand chose. C'est très difficile de retrouver, mais je crois que c'est là où il y a ce petit bout de truc séché que j'avais coupé la dernière fois. Donc ici, ça bifurque. Et je sais pas si vous allez voir, parce que c'est tout petit. Ici aussi, ça bifurque. Surtout, ce qu'il y a de nouveau, là, c'est qu'elle m'a fait 3 nouveaux rejets. Voilà. En plein milieu, là, il y a vraiment des nouvelles pousses qui sont sorties du terreau. Et c'est à peu près le même nombre que de boutures que j'avais coupées. Les feuilles qu'en sortent, elles sont énormes par rapport aux feuilles qui sortent du bout des lianes. Celles-ci, là, elles sont vraiment beaucoup plus petites que les nouvelles. Le noir est très marqué. Je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, ça me plaît. Regardez-moi celles-là, elles sont énormes. Et quand on voit la taille des rouleaux, là, c'est vrai qu'il y a des gros trucs qui vont sortir de là. Je suis très contente, elle a pas l'air trop perturbée. Donc elle, je vais continuer à l'arroser avec le terreau pour plantes avec variegation, même s'il n'y a plus rien de variegaté. Je crois qu'on dit de panacher hein, quand on parle correctement. Voilà. Parce que ça lui réussit bien, mais bon, après c'est du terreau pour plantes vertes en vrai, donc probablement que ça réussit même aux plantes sans variegation. Le pot derrière là, qui est dans le cache-pot en terre cuite, je vous le montre par-dessus parce que c'est une liane qui traverse en fait, et c'est du potos doré, pareil, ça avance tranquille, manque beaucoup d'eau, je comprends pas trop cette plante parce que quand je l'ai rempotée, je pensais qu'elle buvait très vite parce qu'elle avait beaucoup de racines dans son petit truc, que tout passait à travers parce qu'elle avait trop de racines par rapport à son pot. Dès que je l'arrose, à chaque fois, ça coule en dessous, là. Donc, pourtant, je l'avais rempotée, il y avait beaucoup de place pour les racines. D'ailleurs, elle n'avait pas tant poussé que ça, donc bon, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'en dessous, c'est aussi une potée de potos dorée. Donc pareil, allez hop, on arrose. Celui-là, clairement, il est bien à l'ombre. Il se passe pas grand-chose. Enfin, quand même, c'est pas si mal. Mais il n'y a pas de variegation, pas des masses. Juste devant, le Calathea médaillon, qui est complètement mort. J'ai continué à l'arroser un peu, mais ça sert à rien. Là, il est vraiment mort. Il va falloir que je le jette. Mais bon, j'ai la flemme pour l'instant. En fait, quand je jette pas la plante à la poubelle directement. C'est rare que je fasse ça. En général, je récupère les billes d'argile qui sont au fond. Je récupère le pot et tout. Et donc, ça demande un peu de logistique. Et j'aime bien faire ça en même temps que je rempote d'autres plantes. Comme ça, je réutilise directement les billes d'argile. Ça m'évite d'avoir à trouver un espace où les stocker, etc. Je vais faire ça quand je vais faire mon grand rempotage de printemps. Là, c'est vraiment la misère, cet étage. On va continuer avec le Sedum Burrito, hein, qui fait bien la tronche, mais c'est pas grave. lui, je vais pas l'arroser, parce que déjà, je pense que... Alors, il y a eu un moment où il a eu très soif. Et là, peut-être qu'il a eu un excès d'arrosage. Par contre, j'avais pas vu, mais on dirait qu'il y a des nouvelles petites pousses, là. Peut-être que, en fait, il a manqué de lumière aussi. Peut-être que là, le retour de la lumière lui va bien. Il faudra que je fasse le tri un peu, que je vire quand même tout ce qui est mort dans ce pot, parce que là, c'est un peu un coup de téléphone nuisible. Ici, donc on voit que c'est pas très rempli, mais
Normalement, c'est des billes d'argile dans lesquelles je mets de l'eau pour que ça fasse un peu d'humidité pour toute la plantagère. Derrière, la plante mère du philodendron Brasil, pas la joie, qui a manqué un peu d'eau, mais bon, finalement, c'est pas trop mal. Par contre, avec, il y avait un pothos néon ou un philodendron lemon lime, je sais jamais ce que c'est. Et puis de toute façon, maintenant, c'est plus rien parce qu'il a cané. Il a visiblement moins bien aimé le manque d'eau que le philodendron Brasil, qui s'en est un peu mieux sorti. Allez hop! Je vais terminer les plantes avec variegation tant que j'ai de l'engrais spécial dans mon arrosoir. Là, c'est le Calathea Magic Star qui se porte pas trop mal. Alors je l'avais séparé de son copain que j'avais mis en extérieur, sauf que le copain est mort parce que là où il était en extérieur, en fait, je pensais jamais à l'arroser. Je pense qu'il a manqué d'eau. Et ici, c'est mon Spatiphyllum variegata qui était mort en arrivant parce que la poste avait paumé mon colis, je sais pas quoi. Bref, il est arrivé, il était complètement mort. Il a ressuscité. Et puis ensuite je l'ai mal arrosé, du coup il est de nouveau mort. Toutes les feuilles mortes que vous voyez autour, c'était des nouvelles feuilles qui étaient apparues. Puis ensuite je m'en suis mal occupée, du coup il était mort. J'ai quand même continué à l'arroser et là du coup ça y est, ça revient à la vie tranquillement, il y a une nouvelle pousse qui arrive. Derrière là le Coléus, du coup j'ai juste remis de l'eau en fait, j'avais couper toutes les tiges pour pouvoir rebouturer, en plus que d'autres boutures que ma grand-mère m'avait données. J'ai remis la tige dans la terre et je l'ai arrosée. Et là, il y a plein de nouvelles feuilles qui sont apparues, donc super. J'ai mis une réserve d'eau parce qu'en fait, le problème, c'est que j'oublie toujours de l'arroser, ce truc, et qu'il est dans un pot qui est beaucoup trop grand. Avec des trucs crevés aussi, qui était une potée que m'avait offert mon chéri, mais bon, voilà. Là, j'ai décidé de faire une giga potée de Coléus plutôt là-dedans. En plus, il a l'air de bien s'y plaire, donc là, au printemps, quand je vais faire le grand rempotage, je vais enlever ces trucs crevés et je vais remettre les boutures de Coléus qui sont avec les grandes racines là qu'on a vu tout à l'heure. Je vais tout remettre ensemble et je pense que ça va aller du feu de Dieu pendant tout l'été, surtout avec la réserve d'eau. Réserve d'eau même que pour le pothos doré. Alors là, je vous montre la petite technique pour la mettre. Hop, je l'ai re-rempli d'eau là. On voit les petites bulles là-haut dans la tête du crapaud. Ouais, puis même on voit l'eau parce qu'en fait, un peu crade ce que j'ai fait. Je mets mon doigt au bout, je le mets à côté de là où je vais planter et hop, rapidement j'enlève mon doigt et je plante. Moi je plante assez profond, mais après je préfère, là vu la tronche de cette potée, ça me dérange pas de poser la grenouille au bout et je trouve ça pas trop moche. Surtout si on compare avec l'horreur qu'il y a dans cette potée, vraiment. On remonte au deuxième étage de cette plantagère, j'avais pas tout fait. Là on a une liane de pothos doré qui pousse quand même pas mal là depuis quelques temps. Ça y est, elle est partie, c'est la même plante mère hein, toujours. Je vais l'arroser un peu. Tout au fond là derrière, je vais pousser un peu la Maranta pour qu'on voit. Cuprea Red Secret, même colis que le Spatiphyllum variegata. Même galère, arrivé à moitié crevé, finalement ressuscité, puis finalement recrevé. Par manque d'arrosage aussi, décidément, quelle année. L'automne a été particulièrement sec. Le chien qui entend quelque chose. L'automne a été particulièrement sec et moi particulièrement pas vigilante là-dessus, j'avais d'autres soucis. Du coup je m'en suis pas trop occupée et tout a crevé, mais visiblement tout profite du printemps pour la résurrection. Donc vous comprenez aussi pourquoi est-ce que je garde indéfiniment des trucs qui sont crevés, même si ça se voit que ça va jamais repartir. Mais parce qu'en fait voilà, des fois ça repart. Donc ça marche surtout pour les plantes avec bulbilles. Hein. Là, je pense qu'il y a des bulbilles là-dedans qui peuvent supporter la sécheresse. Les alocasias fonctionnent pas mal comme ça, mais bon, voilà, pensez à ne pas balancer vos alocasias quand ça va pas. Ensuite, je vous montre d'abord ce qui est le moins visible, hein, décidément. Ça, c'est une misère, je sais même plus, une misère, qui va très bien, là, qui est en train de repousser pas mal. Ça, c'est bien, bien blanc, c'est très joli, ce nouveau petit, je sais pas si c'est un rejet ou une pousse, enfin bref. C'est très blanc, très rose, très sympa. Donc voilà, pareil, je continue à l'arroser avec mon engrais pour plantes vertes, qui fait des merveilles sur les plantes avec variegation. J'en mets plein à côté, évidemment, mais c'est pas grave. J'en mets pas mal parce que cette plante-là, quand elle est en croissance, en plus elle est dans un pot en terre cuite, elle boit beaucoup. Ah, vous entendez par ce bruit caractéristique qu'elle est en train de couler tranquillement sur tout ce qui est en dessous, là. Donc le philodendron Brasil, il a pris une petite douche, on comprend mieux pourquoi il a plein de taches de calcaire sur lui. Et puis même carrément en dessous, ça a goûté aussi sur...
le Coléus, génial, bah, c'est pas mal comme ça, voilà, c'est la cascade. J'espère que ce meuble en bois, il encaisse bien l'humidité. Ah non mais attendez, avant de vous parler de la plus belle plante du plan de tour, je vais faire une plante très moche et qui va très mal, parce que là c'est les deux dernières plantes du plan de tour, et je veux pas terminer sur l'autre horreur, je veux terminer sur celle-là. Voilà, mon Kevatea Mahoni, ou pas Mahoni, Maui je crois, je sais plus. C'est la merde, il a séché, il a des feuilles cassées, il est loin de la lumière, il n'y a rien qui va. J'hésite à complètement le raser et ensuite à arroser juste le pied pour que ça repousse, comme ce que j'ai envie de faire avec toutes les plantes crevées. En même temps il fait des nouvelles feuilles, donc peut-être que je vais raser tout ce qui va mal et c'est seulement ce qui va bien, parce qu'il y a moyen que ce soit suffisant pour qu'il vive. Et vivement le rempotage de printemps. Pareil, je pense que changer son substrat, ça n'a jamais été fait depuis 2 ans que je l'ai, ça peut lui faire du bien. Et en fait, il me restait aussi une autre plante, le Spatifylla, fleur de lune, qui ne fait pas de fleurs, mais qui fait des nouvelles feuilles tout le temps, alors que franchement, la fenêtre est... Enfin, il est dans un coin qui est pas mal sombre, mais ça va bien. Régulièrement, il a des feuilles qui sèchent, il en a des nouvelles qui vont. Magnifique, ce truc à mouches. Je pense qu'il faudrait que je le rempote aussi, parce que c'est pareil, je l'ai jamais fait, et elle a énormément grandi, cette plante, depuis que mon chéri l'avait offert. Régulièrement, je la laisse crever de soif, puis je la réarrose pour qu'elle fleurisse, mais elle ne fleurit pas parce que je pense qu'il lui manque de la lumière peut-être. Qu'elle se plaît bien dans ce coin, visiblement, elle fait même de nouvelles feuilles depuis que je l'ai mise là, donc c'est bien parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de lumière, j'ai pas d'autres plantes qui ont besoin d'aussi peu de lumière qu'elle, donc ça va rester sa place. Et allez, un petit coup d'eau avec de l'engrais, peut-être que c'est ça qui lui manque, qui sait. Et on termine ce plan de tour avec la Maranta Leuconora Fascinator, qui est vraiment magnifique, qui pousse encore à fond la caisse. Voilà, génial. Je pense qu'il faudrait que je la rempote parce qu'elle doit pas mal consommer, mais voilà. Il y a un peu d'accident, mais en même temps, je suis tellement nulle pour l'arrosage de cette plante que voilà, c'est vraiment rien de brunir un peu comme ça du bout des feuilles. D'ailleurs, là, c'est la dernière plante du plan de tour, donc il n'y a plus d'eau dans l'arrosoir. Je vais l'arroser avec le reste de ma gourde d'eau. Je voudrais bien la sortir pour vous montrer en entier, mais j'ai pas envie que ce soit trop galère de la remettre après. Donc vous aurez un aperçu comme ça. Ouais, elle pousse de partout, les feuilles sont toujours magnifiques, elles sont grosses, elles sont belles, voilà. Je vous montre un truc particulier qu'elle fait, ça là. Je sais pas si c'est pas une future fleur, parce qu'il y a pas mal de hampes florales qui sont parties d'ici. Vous voyez aussi d'ailleurs qu'il y a des feuilles qui sèchent, hein, donc ça c'est pareil, il va falloir que je les enlève. Mais là, là, ce truc, je sais pas ce que ça va donner, donc voilà, je le filme pour qu'on puisse avoir un peu de suivi. À suivre, est-ce que c'est une nouvelle liane? Est-ce que c'est des fleurs? Est-ce que ça va être l'un puis l'autre? À suivre.